Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris pour ce concert de jazz en public et puis aussi en direct sur le site internet du Conservatoire et aussi sur Facebook. Ce concert constitue le point d'orgue de la classe de maître que donne cette semaine la célèbre et magnifique chanteuse Norma Winston. Elle s'est imposée dans le paysage en Europe dès la fin des années 60. Elle a marqué très profondément l'histoire du jazz contemporain, avec notamment sa participation au trio Azimut, avec le pianiste John Taylor et le trompettiste Kenny Wheeler. Et puis, on peut citer ses collaborations avec d'autres pianistes de tout premier plan, comme, pour n'en citer que deux, Jimmy Rolls ou encore Fred Hirsch. Et il faut ajouter à cela son formidable talent de parolière. Bonsoir Ricardo Delfra et bonsoir Norma Winston. Alors Ricardo, on va commencer avec vous. On a ouvert ce concert avec une composition de Fred Hirsch. C'est pas tout à fait un hasard. Fred Hirsch était venu ici en mars 2019, si je me souviens bien. Il est venu même plusieurs fois et nous avons pu apprécier ses talents non seulement des pianistes, mais aussi des compositeurs et des pédagogues. Fred Hirsch, grand compositeur, partenaire aussi de Norma Winston, tout se relie cette année dans une thématique, puisque chaque année, le département de jazz et musique improvisée, ici, que vous dirigez, Ricardo, au Conservatoire de Paris, adopte une thématique qui fédère un petit peu toutes les actions de la saison. Et cette année, c'est la voix. Pourquoi la voix ? Ben, ça manquait un petit peu. En fait, on n'a pas un professeur des chante jazz
Et nous sommes en train d'y travailler, peut-être que dans un futur pas trop éloigné, il y en aura. Mais cette année, en tout cas, oui. Et cette année, donc, nous avons la possibilité d'avoir des invités divers pour des interventions pendant l'année. Et quelques vedettes, on vient d'avoir Théo Blechmann au mois d'octobre. Et là, je suis particulièrement heureux de retrouver Norm, qui a été aussi un partenaire sur la route quand j'étais plus jeune, avec Kenny Wheeler notamment. Et quelqu'un d'autre que vous verrez dans un moment. Oui. Ricardo, depuis une trentaine d'années, un peu plus, même que ce département existe ici, il y a bien sûr du renouvellement. Et je crois que cette année, il y a deux nouveaux professeurs. On peut peut-être les citer. Tout à fait. Paul Lai, le pianiste, est venu remplacer une partie du travail qu'il faisait Hervé Sellin, qui est parti à la retraite et qui doit être parmi nous ce soir, et qu'il a fait un travail formidable pendant tant d'années. Donc nous sommes très heureux d'accueillir Paul. Et aussi un nouveau prof de batterie, qui est Franck Agulon. Qui a succédé à Dre Palemartz, qui lui-même avait succédé à Daniel Humer. Les générations se renouvellent au fur et à mesure de l'existence de ce département. Norma Winston, how did you work on this masterclass? Did you exchange with Ricardo about your songbook? You choose the tunes or repertoire? Well, they just said, can you send some of the music that you've worked with, and we will give it to our students and see what they come up with. Oui, and, c'est ça, on a envoyé la musique, on a envoyé un peu de musique, on a vu ce que ça donnait avec les étudiants, tout simplement. So I didn't really do much work j'ai pas beaucoup travaillé, in advance of this. Mm. And it hasn't really felt much like work anyway. I mean, oui. I just enjoy hearing what they've all done. And, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter tout ce qu'ils avaient imaginé, eux, les étudiants. Yeah. This morning you had a masterclass with singers, I think. Yes, well, we just got together. You know, they had to run in and out doing sound checks and things, but oui, I did manage to hear all of them and answer questions. Oui, j'ai tenu à voir aussi les chanteurs, les chanteuses plus précisément, puisque ce sont des chanteuses, et puis à pouvoir répondre à leurs questions. Do you teach regularly? Is it important for you? No, est-ce que vous enseignez beaucoup régulièrement? Well, I'm on the list of teachers for the Royal Academy of Music. Ah, je suis sur la liste des professeurs à la Royal Academy of Music. But really, they sometimes only have a couple, maybe two or three singers, and at the moment it's one. Ah oui, en ce moment, il n'y a qu'une seule chanteuse. Parfois, il y en a deux ou trois. And I don't live in London. J'habite pas à Londres même. Oui. Two hours away. So, and they don't pay expenses. Oui, alors ils ne me payent pas beaucoup. Et en plus, je suis à deux heures de Londres. So, sometimes the singers come to me. Alors parfois, c'est les chanteurs ou les chanteuses qui viennent à moi. But the problem with that is that because if they come all that way, then I maybe give them lunch and pick them up from the station, take them back to the station, and it takes all day. Je leur fasse à manger, que je les aille chercher à la gare, que je les raccompagne. But no, I mean, it's lovely. I love meeting with young singers, but because I didn't go through the kind of training that they're all going through, I always felt that maybe I can't teach. Oui, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment enseigner, parce que d'une certaine manière, moi, je n'ai pas appris comme ça non plus. Ricardo va rajouter quelque chose. Can I add just a little thing, because I was there when there was also the class with the singers. En français. J'étais là aussi quand il y a eu le moment avec les chanteuses, et je trouve que c'est une façon, en fait, à travers son expérience qui est assez extraordinaire, nous avons pu écouter un enregistrement, can I say that, in 67, d'un morceau en 1967. Si, un enregistrement, c'était son premier broadcast radio où il y a non seulement l'interprétation de la chanson de Clifford Brown, mais un solo, une improvisation assez extraordinaire. Et ce qu'elle a su donner en quelques heures à nos chanteuses, c'était très fort, très émouvant et je pense inoubliable. Merci. Alors, on va continuer tout de suite en musique, bien sûr, avec Sea Lady. C'est une composition de Kenny Wheeler que vous avez enregistrée dans votre disque en 1986. Un disque extraordinaire pour ceux qui ne connaîtraient pas, Somewhere Called Home. C'est un disque de 1986. Et puis ensuite, on continuera avec Highlands. C'est une composition d'un pianiste, Nicky Hayes, avec qui vous avez aussi enregistré plus récemment. Merci beaucoup, Norma Winston.
Bye.
with memories at my side of those who've come and gone like seagulls on the tide, but moments shared give warmth to winter climes, and paths that may leave traces in my mind, not written on my face, but read between its lines, not heard within my words, but echoed in the chimes. That special grace small miracles can bring, when knowing you leaves traces in my mind, inner traces of lives that furrow my soul, inner traces of those I cherish of old. Thank you.
Bonsoir Thierry Perla. Bonsoir. J'imagine que ça vous rappelle des souvenirs. C'était il y a un peu plus de 20 ans, je crois, en 2001. Ça s'appelait Inner Traces, que l'on vient d'entendre. C'est une magnifique composition de Kenny Wheeler, arrangée par le violoniste. Absolument. Ici, Jean-Jacques Maillet. Et vous étiez en studio il y a 20 ans avec Norma Winston, avec Ricardo Delfra aussi. On fête nos 20 ans. C'est la première fois qu'on rechante ensemble depuis cette époque de disque. Ricardo était là, donc c'est un très joli clin d'œil. Et Kenny Wheeler. Et Kenny Wheeler, avec toute sa musique merveilleuse. Qui nous a quittés il y a quelques années. Oui. Et les paroles étaient de Jill Gladstone. Beaucoup de paroles sont de la merveilleuse lyriciste Norma, bien sûr Norma Winston. Mais ces paroles sont de Jill Gladstone, qui est là d'ailleurs ce soir. On l'applaudit. Alors, évidemment, Thierry, avec ce passé, on comprend que vous étiez un intervenant, comme on dit, tout indiqué au conservatoire pour cette année. Ricardo Delfra disait tout à l'heure qu'il y avait une thématique vocale toute cette saison. Comment est-ce que vous êtes intervenu? Vous êtes venu plusieurs fois ici. Comment vous avez travaillé? Deux fois, en fait. On a déjà écouté les morceaux que Norma nous avait envoyés. Donc, on a écouté tous les morceaux. Chacun a choisi. Après, s'est emparé d'une manière incroyable des morceaux pour proposer leur univers. Pour faire des arrangements sur chacun des morceaux. Tous les arrangements sont signés par des étudiants. Je pense que c'est aussi une des façons de travailler ici, beaucoup, de confier des arrangements aux étudiants. Alors vous, je sais que vous enseignez régulièrement, mais plutôt auprès de chanteurs et de chanteuses. Alors précisément, ça transporte un peu votre univers de manière différente. Effectivement. Mais là, quand même, on a quatre chanteuses merveilleuses. J'étais assez fasciné quand même, et estomaqué d'abord par le niveau, mais ça forcément on s'y attend, mais toujours émerveillé en tout cas, et puis ces merveilleuses chanteuses d'univers très différents, et j'ai eu beaucoup de plaisir à les rencontrer, à échanger avec elles. Des gens qui viennent de la voix de jazz, des gens qui viennent peut-être d'autres parfois de la pop vocaux, aussi, et qui viennent qui se frotter autre chose, à cet univers du jazz. Et ce qui est le cas depuis le début de l'histoire du jazz, en fait, il faut bien le dire comme ça. Mais ça se passe très fort ici, en tout cas. Donc c'était un plaisir de retrouver Norma Winston pour vous. C'est un privilège, parce que comme vous pouvez peut-être tous le sentir, il y a une émotion très forte quand même à côtoyer Norma. C'est quelqu'un de rare, ça, c'est important sur cette terre, d'avoir des gens comme Norma, Kenny, des gens merveilleux. Merci Thierry. On va retourner tout de suite dans l'univers de Norma Winston avec une composition de Steve Swallow, qui a été mise en parole par Norma. C'est Ladies in Mercedes, et puis ensuite on entendra notamment Windfall, qui appartenait déjà au répertoire du premier trio Azimut. Merci beaucoup.
Yeah.
The days grow long and songs were sung through the magic spaces to the secret places you and I. Surprise.
Eh bien, je vais accueillir maintenant Lola Payen, que vous venez d'entendre et qui a assuré la coordination de la direction artistique avec Norma Winston. On peut dire ça comme ça, Lola ? Oui, j'ai surtout assuré toutes les répétitions, enfin toutes les répétitions en amont qui ont permis de répéter, comme son nom l'indique. Alors, une première question quand même avant tout cela. Norma Winston, ça représentait quoi pour vous avant de la rencontrer ? Alors moi, je l'avais beaucoup écoutée, notamment avec la musique de Kenny Wheeler, donc dans tous ses albums avec Azimut, le trio avec, avec John Taylor, et aussi dans les grands ensembles avec la musique pour Small and Large Ensemble. Donc je l'avais beaucoup écouté là-dedans aussi. Et c'était pour moi quelqu'un qui était vraiment emblématique, mais peut-être que je me trompais, mais en tout cas pour moi c'était quelqu'un qui était emblématique du style un peu jazz vocal anglais. Donc déjà une approche de la musique de Norma Wilson que vous connaissiez de l'intérieur pour l'avoir écouté, ce qui est tout de même très important. Et Ricardo Delfra vous a demandé de coordonner la direction artistique. Alors ça veut dire recevoir les partitions, travailler en amont avec les différents arrangeurs, parce que comment ils se sont répartis vous leur avez dit toi tu prends ça, surtout pas. Non, j'ai pas fait ça. Je leur ai laissé le choix en fait. J'avais créé un document où les gens qui voulaient jouer dans la masterclass pouvaient s'inscrire en tant que musicien et ceux qui voulaient arranger certains morceaux, ou même les morceaux qu'ils veulent en fait, pouvaient s'inscrire également à côté du morceau en question. Et après, j'avoue que j'ai aussi beaucoup légué du travail aux arrangeurs. Chaque arrangeur en fait s'occupait de son groupe, quoi, entre guillemets. Il y avait un peu. Moi, je prévenais les arrangeurs de certaines informations et après, eux, ils déléguaient à toute. Enfin, ils transmettaient l'information en fait à leur groupe. Alors, vous qui connaissiez le répertoire avant, enfin, en tout cas, un certain nombre de thèmes, j'imagine, vous les connaissiez. Est-ce que vous avez été surprise par ce qu'ils en ont fait ? Oui, parfois, mais en même temps, je trouve ça bien de faire. Enfin, je trouve qu'ils en ont tous fait quelque chose qui leur ressemble assez. Donc, je trouve ça bien. Et dernière question, depuis mardi, la rencontre avec Norma Winston, la façon dont vous avez travaillé avec elle aussi en masterclass. Alors, on a travaillé, du coup, ce matin, on a un petit peu travaillé entre chanteuse et chanteur. Et donc, c'était très sympa. C'était très, très intéressant. Et elle a pu nous donner aussi des conseils. Elle nous a parlé de elle aussi, de son expérience et de sa manière de travailler. Donc, elle nous a donné un petit peu des exercices, des manières de voir aussi certaines choses par rapport au rapport entre les musiciens et les chanteurs, chanteuses. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup Lola et bravo pour tout ce beau travail effectué. On va retrouver l'univers de Norma Winston avec des pièces de John Taylor et aussi de Ralph Toner tout à l'heure. Et puis une pièce d'un étudiant, le saxophoniste Darius Moglia, qui a écrit aussi une pièce un peu collective, je laisse la surprise. Et puis on terminera avec O, c'est une composition de John Taylor, qui figurait d'ailleurs dans le répertoire du trio Azimut. C'est en quelque sorte déjà un classique. Merci beaucoup Lola Payen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Norma Winston. Thank you, thank you. Can I just say how happy I am that Ricardo thought to invite me, and I think he's done a wonderful job with all these great students, and I'm so happy to be here. And so we're just going to play a little thing, a little standard, just to show that we can still play standards. You'd never know. When in my dreams you appear.
For you are my favorite star, my haven in heaven above. You are everything, well, you are everything. You are everything I love. Everything I love. Ricardo Del Fran. Thank you. Bonsoir. Norma Winston. Merci. Merci infiniment. Merci.